Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, donc voilà, je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout les amis, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, ma chérie, n'hésite pas de t'abonner. Abonne-toi sur cette chaîne. Pèse la cloche de notification, comme ça tu ne manqueras aucune vidéo que je publie sur cette chaîne. Moi ici, je partage mon expérience avec ce que j'utilise, ok? Donc voilà. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mon Instagram c'est Inès Beauty 242. Ma page Facebook c'est Inès Beauty 242. Je vous recommande de me suivre là-bas massivement. Maman, allez-y vous abonner seulement sur mes comptes Facebook, Instagram, Inès Beauty 242. Soutenez-moi là-bas aussi, ok les amis? Donc voilà, c'est là-bas que je partage un peu. Tous les jours, ok? Ici, je fais des vidéos de temps en temps, mais sur Instagram, Facebook, je partage presque mon quotidien, ce que je fais tous les jours, c'est sur ma page Instagram. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur mon Instagram, Inès Beauty 242, et sur ma page Facebook, Inès Beauty 242, ma chère, go ahead. Ok? So, aujourd'hui, dans notre Tchatcholand, je veux partager quelque chose que j'ai utilisé, les amis. Yo! J'ai quelque chose ici, je suis sûre que beaucoup ont déjà utilisé, mais moi je suis tombée sur cette affaire-là il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment aimé le résultat. Je me suis dit, je dois partager à mes soeurs là-dehors parce que c'est de ça que cette chaîne existe, ok? Je suis là pour partager ce que moi j'ai trouvé de bon. Si ça m'a donné un bon résultat, je vous dis que j'ai eu des bons résultats avec la personne qui veut essayer. Elle n'a qu'à essayer. Et si ça ne m'a pas aussi aidé, je veux aussi vous dire que non, ça ne m'a pas aidé. Donc peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est pas parce que ça m'a pas aidé moi que ça ne peut pas aider quelqu'un d'autre. Donc nos peaux là, ils sont jamais camarades d'école primaire. Donc ça peut marcher pour toi, ça peut ne pas marcher pour moi. Ok les amis, donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter BB Clear. Ok, BB Clear Dark Spot Remover. Ça enlève les taches noires. Regardez-moi ça ici. Ces petites affaires-là, les amis, il y en a dedans. Il y en a dedans. Il y en a dedans. Puis c'est pas seulement seul. C'est un duo que j'ai pris. Je vais vous montrer. Regardez. Regardez-moi ça. Ça là, ça contient la vitamine C. Ok? C'est fait à base des acides de fruits. Bon. Le blabla, vous connaissez, ça enlève les taches noires, ça correcte le tone, ton teint, et puis c'est anti-aging, et puis c'est contre les vergetures, bon, ça c'est entre guillemets, ok, et puis voilà, ça raffermit la peau. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Donc, les amis, ça contient comme j'ai dit, c'est fait avec ça contient de la vitamine C et les acides de fruits. En tout cas, c'est fabriqué en Rhodes. C'est fabriqué par les laboratoires Rhodes. I don't know, maybe en Afrique ou whatever. Je ne sais pas. OK? Ils disent ici que ça contient des acides de fruits, HEA. So, l'odeur, d'abord l'odeur de cette affaire-là, le sérum, l'odeur est très, mais très, très, très nice. OK? Ça sent très bon. Ils ont mis vraiment des huiles bien parfumées ici et ça sent très bon, les amis. J'aime bien l'odeur. La crème aussi. OK? Donc, si tu as des taches sur le visage qui te dérangent, tu as des petits boutons sur le visage qui ont laissé des taches, et que ça te dérange, ce petit truc-là, ici, là, ma chérie, ça va t'aider. Ça, y a pas, y a. Tu nettoies bien ton visage avec un très bon savon exfoliant. Tu appliques le sérum, tu appliques l'huile, et puis tu appliques la crème. En tout cas, moi, À l'espace de 3-4 jours, là, j'ai commencé à dire, qu'est-ce qui se passe sur mon visage? OK?
Mais c'est toujours à prendre avec les pincettes. Moi, j'utilise ça. Ça fait au moins 2 semaines que je l'utilise. Je l'ai utilisé 1 semaine et j'ai arrêté. OK? Parce que les produits qui sont faits souvent en Afrique, ou bien, vous savez, ces produits-là, il faut toujours prendre ça mollo. Donc, tu peux utiliser ça 1 semaine. Quand tu as un bon résultat, tu te calmes un peu. Tu espaces la semaine et puis après, tu te remets encore. C'est comme ça. Sinon, ça va t'éclaircir beaucoup, beaucoup. Et quand tu éclaircis trop fort, ta peau, elle devient sensible et c'est ça parfois qui amène des histoires sur la peau. Donc, le but, c'est pas de ressembler à un drap, ok? Un drap blanc. Mais le but, c'est d'avoir un beau teint. Donc, ça travaille ton teint, ça élimine les taches. Vraiment, c'est un très bon duo. Ok, comme j'ai dit, l'odeur n'est pas, l'odeur est vraiment, vraiment agréable. C'est facile à tolérer, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, j'aime ça. Et comme j'ai dit, tu l'utilises les deux ensemble, accompagné d'un savon. Si tu as son savon, c'est bon. Moi, je n'ai pas son savon. J'ai juste acheté ces deux-là. Je voulais essayer parce que ça fait longtemps. Il y a même des abonnés qui m'ont déjà demandé ici, oh, parle-nous de BB Clear. La crème, je n'ai pas encore utilisé. C'est les deux affaires de BB Clear que j'ai utilisées. Mais j'aime bien le résultat. Je ne sais pas si là-dehors, il y a des gens qui ont déjà utilisé ce produit, et je suis sûre, parce que c'est sur le marché depuis quelques années. Donc, il y a des gens qui ont déjà utilisé ça. Et si vous êtes comme moi aussi, je sais pas, dites-moi votre résultat avec cette affaire-là. Moi, en 1 semaine, j'ai dit stop parce que ça m'a trop éclairci. Et je n'aime pas ça quand je deviens trop pâle. OK? Le but, c'est pas de devenir pâle. Il faut toujours doser. Le but, c'est d'avoir un teint jaunâtre, un teint, vous voyez, non, comme si on avait déposé une orange là, pas comme ma robe, ok? Mais un teint, joli teint. Le but, c'est de travailler le teint, mais c'est pas d'être pâle. Puis ça pâlit. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui est dedans, mais il n'y a pas d'hydroquinone ici. Ça, vous pouvez en être sûr. Il n'y en a pas. Mais ça pâlit vraiment, ça éclaircit très 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 vite. Au bout de 3 semaines, matin, soir, j'ai vraiment aimé le résultat, mais j'ai dû faire stop après 1 semaine d'utilisation parce que c'en était de trop. Moi, je ne veux pas ressembler, comme j'ai dit, au mur qui est derrière moi là-bas. Non, je veux juste avoir un beau teint. C'est ça. Parce que quand tu es trop pâle, et puis, tu exposes ta peau. Quand la peau est beaucoup trop pâle, tu l'exposes. Et c'est pas ça qu'on veut. Faut pas exposer la peau. Il faut juste l'éclaircir, l'arranger. OK? Avoir un beau teint. Mais on ne veut pas avoir un teint, trop, trop, trop pâle. Et ça éclaircit. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose que je vais tout le temps. Si je vois que mon teint baisse, si je vais taper ça matin, soir, pendant 3 jours, ça va encore rebooster mon teint. Ça va être vraiment un duo booster pour moi. OK? Si, vous savez, parfois, tu peux utiliser un produit. Quelques temps après, ton teint, c'est comme si ça ternit un peu. So, ça peut être un bon duo pour remonter un peu ton teint. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas quelque chose que je recommande que tu t'assoies dessus pendant au moins 1 mois d'utilisation. Ma soeur, tu vas éclaircir, mais de ouf. Mais après, tu ne vas pas aimer ce qui va arriver sur ta peau. C'est ça le problème aussi. On aime bien éclaircir, oui, mais allons-y mollo, ok? Ça éclaircit, mais ça éclaircit beaucoup trop, je trouve. Ok? Pour moi, ça éclaircit beaucoup trop. Et comme j'ai dit, je ne connais pas la gamme au complet. J'ai jamais utilisé son lait, le savon non plus. Mais le jour que je vais tomber sur le savon, c'est sûr que je vais prendre le savon parce que moi, dans ces produits-là, j'aime trop. Le savon, les sérums, c'est vraiment sur ça que je me base beaucoup, ok? Ça ici là, c'est écrit, c'est 5 en 1, ok? C'est 5 en 1 et vraiment ça tient ses promesses. Ça là, y a pas yaya. Ça tient ses promesses et pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Je sais pas, bon, vous savez, on est ici, mais si, comme j'ai dit, tu peux utiliser ça pendant 1 semaine. Et dès que tu as le résultat escompté, stop. OK? Hydrate seulement. Ou bien, si tu ne veux pas que ça puisse t'éclaircir, ça puisse pâlir trop ta peau,
Tu lises après une semaine d'utilisation. Dès que tu as le résultat que tu veux, stop et puis commence à alterner avec une crème hydratante pour que tu puisses avoir une peau bien, une peau qui n'est pas pâle. Ok? Tu n'es pas blanche façon là. Tu es juste là. Tu es bien, ok? Tu as une jolie peau jaunâtre, orangée, c'est beau, mais tu ne veux pas être pâle comme le mur derrière moi ou bien les décos derrière moi là-bas. C'est pas ça que tu veux en fait. C'est pas ça qu'on veut dans le Tchatcholand. On veut avoir un beau teint. Donc ça, c'est un très bon produit, ce BB Clear là, Dark Spot Remover, et ça fait son travail. Donc si tu fais de l'acné, tu as des problèmes d'acné sévère sur ta peau, sur ton visage, c'est bien d'utiliser ça. Essaye. En tout cas, moi, je n'ai pas de l'acné. Je ne fais pas de l'acné, mais ça m'a éclairci beaucoup. Et comme je dis, ça m'a trop éclairci même. OK? Les deux ensemble, ils m'ont trop éclairci. Et si tu vois que tu peux pas, tu as trop éclairci, tu peux juste aller avec la crème ou bien avec le sérum. Tu choisis un. Mais quand ton teint a baissé un peu, là, tu fais les deux. OK? Tu fais les deux. Vous savez, on a été dans l'été. OK? Il y a eu beaucoup de soleil. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un petit peu de rabaissement. Un petit peu. Les teints ont été un petit peu ternis. Donc ça, vraiment, ça m'a donné une lumière. Waouh, en quelques jours seulement, j'ai senti que mon teint a rebondi. Et voilà, donc après une semaine d'utilisation, j'ai arrêté de l'utiliser parce que c'en était de trop pour moi, les deux ensemble, c'en était de trop pour moi. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il faut utiliser les produits. Quand tu vois que ça t'éclaircit beaucoup trop, ralentis, laisse, utilise autre chose. Et souvent, c'est un mélange. Quand tu casses avec une crème hydratante pour le visage, c'est ça qui est bien. Ça va toujours te donner un beau teint. OK? Pas un teint trop pâle. Parce qu'il ne faut pas être pâle. Il faut être juste clair. OK? Il faut être joli. Mais il ne faut pas être pâle. Parce que quand tu es pâle, tu ressembles à rien en fait. Et quand la peau de ton visage est beaucoup trop pâle, c'est comme si c'est. Comme si ce n'était pas toi. En tout cas, ça, c'est moi. Mais en tout cas, c'est un très bon produit. Laissez-moi en commentaire les gens qui ont déjà utilisé ça. Qu'est-ce que ça a été pour vous? Parce que pour moi, vraiment, c'était un boom. OK? Pour moi, c'était un wow. Au bout de quelques jours seulement, j'ai trop aimé le résultat. Les ingrédients sont nickel. C'est des ingrédients que moi, je cherche dans des produits. Donc, comme je vous dis toujours, quand vous achetez des produits, lisez qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans des produits? Lisez. Si vous voyez que ça contient c'est fait à base des acides de fruits, ça ne contient pas l'hydroquinone. Pour ceux qui n'aiment pas l'hydroquinone, ben voilà, donc c'est un bingo, tu prends. Mais je ne sais pas les laboratoires Rodis, je ne sais pas là où ils sont en Afrique là-bas, mais c'est sûr que c'est un produit fait en Afrique, but I don't know where. So, faites attention, lisez aussi la date d'expiration. OK, ça ici, c'est jusqu'en 2025. Donc, c'est un produit que je peux conserver. Au moins, je peux toujours aller. Si je vois que mon teint a un petit peu de problème, ça va être mon produit, ça va être mon duo de secours, en fait. Ça va être mon duo de secours, puisque j'en ai jusqu'en 2025. Donc, j'ai encore le temps. C'est sûr que de temps en temps, au moins, je vais utiliser ça au moins 3 jours successifs par mois pour garder mon teint. OK? Apprenez à bien utiliser les produits éclaircissants. Ce n'est pas seulement éclaircir qui est important, mais c'est aussi de prendre soin de ta peau, c'est de faire attention aussi à ta peau. Parce que quand tu es trop pâle, ce qui va arriver sur ta peau, tu ne vas pas aimer ça. Quand tu es trop pâle, ce qui va arriver sur ta peau, tu ne vas pas aimer ça. OK? Donc, ça t'a donné le résultat que tu voulais. Après une semaine, je vous garantis que vraiment, si ça te va, si ça ne te va pas, ça c'est un autre problème. Mais si ça te va, après une semaine d'utilisation, tu vas vraiment toi-même apprécier ton visage et tu vas dire, OK, je pense que c'est bon, j'arrête. OK? Apprenez à arrêter et après tu passes seulement à l'hydratation pour raffermir un peu ton teint, pour que ton teint puisse être fusionnel. OK? Et puis après, tu commences à aller peut-être un jour sur deux, un jour sur deux, 2 jours sur trois. C'est comme ça, tu alternes pour garder un joli tone sur ton visage, pour que ton teint soit pas trop pâle, pour que tu sois pas trop transparente.
C'est pas ça qu'on veut. Donc, les amis, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un très bon duo pour les gens qui ont des problèmes de taches sur le visage, en tout cas. C'est très bon. J'ai utilisé ça seulement sur mon visage. Je ne l'ai pas utilisé sur mon corps. Mais le reste des produits, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Le savon ou la crème, j'ai jamais utilisé. Mais c'est sûr que si je tombe sur le reste des produits, je vais acheter et je vais voir qu'est-ce que ça va apporter. Si je vais avoir le même résultat sur les produits du corps que j'ai eu sur les produits du visage. Donc, les amis, portez-vous bien. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas de me suivre sur ma chaîne, sur ma page Instagram. Okay? Sur ma page Instagram, Inès Beauty 242, et sur ma page Facebook, Inès Beauty 242. Sur ma page Instagram, je partage mon quotidien un peu, les photos de tous les jours, ce qui se passe chez moi, des petites stories. Ici aussi, je fais les stories, mais là-bas aussi. Donc, venez booster ma page Instagram et ma page Facebook. Je compte sur vous de venir vous abonner massivement sur ma page Instagram, Inès Beauty 242, et ma page Facebook, Inès Beauty 242. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous sur cette chaîne. C'est gratuit, non? Abonnez-vous sur cette chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Quel produit que vous avez utilisé de cette gamme BB Clear là? Je sais que quand c'est sorti, beaucoup de gens ont fait des vidéos sur ça, que c'était des bons produits. Mais bon, moi, j'étais sur d'autres produits aussi. Bon, vous savez, on ne peut pas tout utiliser à la fois. C'est mollo-mollo comme. On ne peut pas tout utiliser à la fois. Donc, vraiment, laissez-moi en commentaire, toujours dans le respect, qu'est-ce que vous en pensez et vos expériences avec cette gamme BB Clear. Portez-vous bien. Je vous attends sur Instagram et Facebook. Inès Beauty 242. Bye.